Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo. Là on est au niveau du stade de rugby de Narbonne, à la sortie de Narbonne, et on va faire Narbonne jusqu'à Narbonne plage. Et ensuite une deuxième vidéo, un petit tour à Narbonne plage, voilà, avec un petit coucher de soleil, tout ça, et une petite musique. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures. Que ce soit en voiture, à pied, en trottinette, en vélo, des visites, des curiosités, des beaux endroits d'ici de l'Aude, de Narbonne. Donc là vous avez le parc des expositions à droite, il n'a pas bougé depuis que je suis petit, il n'a pas changé, il a été construit quand j'étais petit. Voilà Narbonne, on est à 10 minutes de la plage environ, 10-15 minutes de la plage. Ça dépendra combien va durer le temps de la vidéo et s'il n'y a pas un escargot devant. Donc ça y est, on arrive à la sortie de Narbonne. Avec les piliers romains. L'autoroute direction Montpellier ou Perpignan, Barcelone. Ah, on n'est pas loin de Barcelone aussi. Carcassonne, Béziers. Ça y est, là on est sorti vraiment de Narbonne. Direction Narbonne plage. Parce que mon angle normal s'est cassé lors d'un choc. Quand l'ultra grand angle marche super bien, je vais devoir changer de téléphone bientôt pour faire de plus belles vidéos si tout va bien. Donc là on voit en face le massif de la Clappe, très bon massif avec beaucoup de randonnées là dessus de prévu sur le massif de la Clappe. Très beau massif qui va jusqu'à Narbonne plage et Saint-Pierre-la-Mer aussi. Pas ce rond-point là où il n'était pas comme ça, je me souviens plus, il n'y avait pas autant d'arbres ici. On voit la lune. Allez, direction Narbonne plage, on y va. Là c'est 70, c'est ça il me semble. Mais on va rouler doucement sur cette route parce que le moindre écart est traître. Vous le verrez. Route des vins de la Clappe. Là on est dans la Clappe, là. Le massif, le petit massif de la Clappe. J'appelle plutôt ça des collines que des montagnes, mais c'est là il y a eu, sur la droite il y a une randonnée. Sur la gauche aussi. Et des vignes, bien sûr.
me rappelle quand j'étais petit, quand le week-end on allait à la plage, à Narbonne plage, on prenait tout le temps cette route. Ah, je sais pas si on va bien voir la lune. C'est le département des vignes, il y en a partout, même en montagne. Très jolie route avec des pins. Il y a des pins et des chênes aussi. Sur ce massif de la Clap, il y a des belles choses à voir en randonnée, des grottes, des curiosités. Je sais pas si on la voit bien la lune. Là, vous la voyez la lune. Ah, on sera content de la voir moins. Moins. Ah, ici on dit moins, on dit pas moins. Plus loin, c'est très beau, Gruissant, l'étang salin. Mais ça nécessitera plusieurs vidéos, Gruissant. Rien que Gruissant, ça nécessitera 10 vidéos. Minimum. Gruissant. À gauche, je crois que c'est une base spatiale, base militaire spatiale, un truc comme ça, ou des récepteurs d'antennes, je sais pas exactement. À Narbonne plage, Saint-Pierre-la-Mer.
au fond, je sais pas si vous allez bien voir. Au fond, on voit les montagnes, les Pyrénées. Le Canigou, les Pyrénées. L'angle normal, des fois il marche, des fois il déconne un peu. À cause du choc, voilà la mer en face. Narbonne plage. On voit pas Saint-Pierre-la-Mer, c'est plus à gauche. Là, tous ces bâtiments en bas, ces villas, maisons, bâtiments. C'est Narbonne plage. Purée. Ça ne me fait pas rien d'y revenir. Ça ne fait pas rien de. La petite falaise aussi en haut, très jolie. Et toujours des vignes. Et l'hiver, il n'y a pas beaucoup de monde à Narbonne plage. Il y a des habitants à l'année, mais beaucoup d'appartements et de maisons, c'est pour les vacances. Ah, par contre, l'été, oui, ça, il y a du monde là-bas. Sur les plages, le soir, le 14 juillet, je me rappelle, feu d'artifice. Il y avait les pédalos, les vélos, ça y est, on est arrivé. Direction centre-ville de Narbonne plage. Bon, je vais m'arrêter là, on va arrêter la vidéo là, 15 minutes, voilà, 15 minutes de Narbonne. Voilà, voilà, et je vais continuer une autre vidéo dans Narbonne plage et tout le bord de mer Narbonne plage et Saint-Pierre-la-Mer aussi. Voilà, et peut-être la vidéo retour avec un beau coucher de soleil de Narbonne plage à Narbonne, voilà la vidéo retour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas du 11. Tchuss, à plus, à bientôt.